culture. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo while I flex my EO. Sip on Prosecco, dressed up to Cheetos. In my coffin playing Keno in the casino. Want a lucky number, ask Mike Dino. I'm on the competition like a flamethrower. My rhymes, they age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the ball in a single lane in. La 11e dimension, limitrophe à la nôtre. Ça veut pas dire que parce qu'elle est à côté, elle ressemble à la nôtre. Non. Les dimensions sont en vrac, comme dans un sac de billes. Et comme plus proche voisine, on les remet sur celle-là. Voilà tout. La réalité n'est pas parfaite. Et de temps en temps, il y a des failles qui se créent, des sortes de bugs. Et à travers ces failles, apparaissant aléatoirement, il y a des possibilités. Le temps d'une fraction de seconde qu'un élément d'une dimension passe par celle d'à côté. Bien sûr, c'est totalement imprévisible. Bien qu'assez fréquent. Tiens, le cas le plus courant, c'est ces satanées paires de chaussettes où il n'y en a qu'une. Vous n'êtes pas étourdi? Non. Elles ont simplement glitché vers la 11e dimension. Dans la majeure partie des cas, ce sont des objets qui glitchent. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils débarquent et restent en place gentiment, sans rien demander. Mais là où ça se complique, c'est avec les êtres vivants, qui sont généralement affolés et courent partout en faisant bugger tout ce qu'ils touchent. Vous n'avez sûrement jamais vu ce genre de bestiaux, car heureusement, il ne reste pas plus de quelques heures chez nous. Pourquoi? Je m'en occupe. J'y ai fait un petit tour, moi, dans la 11e. J'ai réussi à en revenir, mais j'en ai gardé quelques séquelles. Je suis devenu complètement muet, impossible de parler. Et j'arrive à sentir exactement où sont les créatures venant de là-bas quand elles apparaissent. En parlant du loup... Ok, environ 30 secondes, il devra faire son service. On appelle ça un barman. Là-bas, au bout d'un certain intervalle de temps, ils versent tout un tas de trucs pour leur jège, une sorte de divinité. Je vais le renvoyer chez lui grâce à ce magnifique jukebox. On peut faire glitcher chacune de ces créatures, une réalité et une autre, en utilisant une onde sonore appropriée. Merde. Ok. Ah non. Là, je suis comme qui dirait dans une impasse. Vite, le jukebox. Alors, taille moyenne, costume sombre, seulement deux bras. Ok, essayons cette fréquence. Shh.
Tout va bien se passer, c'est normal. On rentre à la maison. Bah, alors qu'est-ce que j'ai pas mis assez fort ? D'accord. Oui, je me disais aussi, j'aurais dû mettre sur 92. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some Sunday. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some Sunday. Thank you.
Does anyone care with rap and religion and a rhythm and rhyme? Say no to grind time, commercial standards, corporate cuts. If I just wanna beat some, I must spend nuts. Profit available, harm unassailable, modus operandi underratable. I said it before, I am the jaw drifting, life to life, the hardcore far more. Hit you with a moon and a force of finance, my chance to choose my own path, I dance and talk. Real streets to learn to run. James, on a un gros problème. Lui, c'est Eugène, mon meilleur pote. Il m'a tout de suite cru quand je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Enfin, à vrai dire, il est rarement difficile à convaincre. Je lisais à la bibliothèque calmement, comme à mon habitude, en l'occurrence, un ouvrage sur les chevaliers. Et il disait genre, c'était pas des robots, tu vois, il y avait des vrais gens dessous. Et genre, quand ils se mettaient Quoi? Je te jure que c'est vrai. Sinon, il y a trois monstres qui ont popé comme ça dans la bibliothèque d'un coup. Ouais, désolé. T'as pas un truc à manger là? J'ai faim. J'ai grave faim en fait. J'ai faim. Ça c'est du marcassin sauvage, ça. C'est toi qui l'as chassé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, je sais pas, deux terroristes, ils se cognent aux vitres, allô, comme des malades, et il y en a qui avait un masque, et une espèce de masque, et puis un furet. Et puis j'ai entendu une détonation, et puis les gars sont sortis, ils sont partis dans la grande rue là-bas, je sais pas où ils sont, allô? La grande rue, c'est noté. Non, reviens, mais ça peut être dangereux, mais... Thank you.
Bon, ça c'est cool. T'as pas l'air de vouloir t'enfuir. Ça va me faciliter la tâche. Vache. J'avais pas prévu ça. Salut toi, j'aurais besoin de ton vélo 2 minutes, c'est pour une urgence. Non, reviens. De me faire courir combien de temps encore là? Arrête-toi! Allez, dégage! Allez, dégage là, tu m'as déjà fait perdre assez de temps.
Voilà donc le deuxième. Toi, t'étais pas passé loin. Bon, je crois qu'une pause s'impose. Bouge pas. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Non, t'inquiète, pas de soucis, ça arrive, hein. T'inquiète. Mais c'est quoi ce truc là-bas, là ? Oh non. Tiens. Mmh.
Toi, tu tombes bien. Bon, va falloir que tu fasses vite le temps que je lui ferme son clapet. Quand tu veux. Bye bye. Nickel. Nickel. Comment il t'a défoncé? Eh mais faut cautériser ça. Faut pas laisser ça comme ça. Attends, j'arrive. Allez, t'inquiète pas, James, c'est pas grand chose. Je vais te soigner ça, moi, en moins de deux. Bon, au moins, là, on peut pas dire que t'es pas bien désinfecté, là, c'est... Prends ça, ça te retient quelque chose. Enfin... Allez-y. Ah, j'ai vu par contre, t'avais mis une boîte dehors, une boîte violette, je sais pas trop quoi, et elle arrêtait pas de grogner, genre, tu vois, et je me suis dit, y a peut-être un chat sauvage, ou genre un chat sauvage dedans, tu vois, mais j'avais pas trop envie d'ouvrir, je me suis dit, si je me fais griffer, oulala, j'ai pas envie de me faire griffer, parce que ça fait mal, tu vois. Et du coup, je me suis dit, si je lui donne à manger, peut-être qu'il va se calmer, tu vois. Rien à faire, le truc il grogne toujours, donc c'est un peu toi le professionnel dans les trucs un peu bizarres, donc je pense que tu devrais aller jeter un oeil, enfin je veux dire jeter un oeil, pas vraiment jeter un oeil, allez voir, je parle parce que jeter un oeil, oulala ça doit faire mal hein. Eh ben, c'est vraiment pas mon jour. C'est quoi ton problème? J'ai tout essayé et tu bouges même pas d'un poil. T'es quoi au juste? Une sorte de virus multidimensionnel? Je peux pas te laisser là, c'est trop dangereux. Le seul moyen, c'est de voir ce que tu caches.
pourquoi je suis arrivé là. Car je dois te guider. Vous m'entendez ? Bien sûr, évidemment que je t'entends. Laisse-moi te montrer. Qui êtes-vous ? Je t'apparais comme un barman, mais je peux être n'importe quoi. Un être vivant, un objet, l'atmosphère, une phrase, une réaction chimique ou la réponse à toutes tes interrogations. Je suis l'âme de l'11e dimension, et bientôt je l'espère de toute forme d'existence dans l'univers. Je suis au-delà du son, des couleurs, au-delà des formes et du temps. Je suis un GHG. Découvrir notre monde, ce n'est pas par hasard. Si tu as pu en revenir, c'est uniquement parce que je l'ai voulu. Pourquoi tu prépares ton monde à notre arrivée? Mais tu n'as découvert que la partie superficielle. C'est tellement plus grand. Tu es méfiant, je le comprends. Tu tentes de nous repousser comme des envahisseurs. Tu penses que ta réalité n'est pas encore prête. L'entièreté de l'existence, l'apparition de toute réalité, toute l'histoire de ton monde et du mien ont été minutieusement mises en place pour aboutir à notre rencontre à cet instant précis. La 11e dépasse bien plus que la plus folle des imaginations. Alors pourquoi vouloir empêcher cela? Qu'est-ce qui te retient ici? Qu'est-ce qui te retient dans ton monde? Laisse la réalité te révéler son vrai visage. Sois GHG. Je crois que je comprends. Personne ne comprend. Ça nous dépasse tous. Absolument tous. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe?